Bonjour, bonjour YouTube! Aujourd'hui, nous sommes sur Roblox. Si vous connaissez pas ça, ben, en tout cas, Roblox est un site où est-ce que tu peux créer ton propre account et qu'il y a plusieurs sortes de jeux différents. Et en ce moment, je suis sur le jeu Lumbodicon 2. Et puis, désolé si vous entendez la musique en arrière, c'est quand même fort, aujourd'hui, mes parents et mes grands-parents font pas été en arrière. Alors, si vous entendez ça, je suis quand même désolé. Donc, en tout cas, moi, j'ai la hache la plus rare du jeu. On peut pas l'avoir, on pouvait seulement l'avoir dans la alpha. Et en ce moment, on est dans la bêta et on peut plus l'avoir. Je l'ai échangé avec une autre personne, en tout cas. Il en vendait vraiment pas cher, alors je l'ai acheté. En tout cas, ma maison n'est pas encore terminée. Juste un petit gameplay si je joue comme ça. En même temps, je trouve que la vidéo, ça lag 100 fois moins dans Roblox que dans Minecraft. Alors que Minecraft, c'est plus mieux fait que ça. En fait, ça, c'est rien qu'un jeu customisé, tandis que Minecraft, c'est un jeu vraiment avec plein de skips, alors c'est ça. Des javascripts. Et puis désolé si j'ai mis l'introduction de Minecraft genre ça, j'ai pas d'autres introductions puis ça prend quand même du temps à faire une introduction, alors c'est ça. Genre pour essayer de la trouver sur le site web, avec ça la modifier pour mettre notre nom puis tout ça, là, ça prend bien du temps. Lui le poids des. Donc on va aller au port du pont. Donc t'es obligé de payer 100$ pour ouvrir ce pont. En fait, pour gagner de l'argent, tu commences au début. Tu t'achètes une hache qui coûte à peu près 8$, t'as au moins 20$ au début, puis après ça, tu coupes des arbres, après ça, tu mets ça dans un genre de faux en arrière du magasin, après ça, tu gagnes de l'argent, puis tu peux tasser des meilleures haches, puis tout ça, là. Puis il y a des arbres rares, il y en a qui non. En tout cas, il y a un arbre hyper rare dans le jeu, là, qui est quasiment impossible à trouver, qui s'appelle le Spooky. C'est un arbre noir qui se trouve en haut des montagnes, puis tu peux voyager en haut des montagnes, je trouve que c'est vraiment le jeu, il faut comme tu mettes des arbres, c'est pas quoi, il faut que tu sois à plusieurs pour ça, puis c'est vraiment hardcore sérieux là. Donc moi je vais chercher des gold trees, en même temps vous pouvez voir un petit peu le jeu, puis je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, si vous voulez me voir sur Roblox, je m'appelle Diamond Dominus Sam, c'est pas le même nom que ma scène, mais pas grave. Donc, en tout cas, pour aller aux arbres en or, il faut juste que tu coupes ça ici. En même temps, je vais peut-être baisser un petit peu le volume du son au cas où. Voilà. Escape. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on va peut-être m'entendre un petit peu mieux que d'habitude. Que tantôt. Si tantôt vous m'entendez pas vraiment, je vais peut-être répéter un petit peu. Mon nom c'est Diamond Dominus Sam, si vous voulez me voir sur Roblox puis me parler de temps en temps comme ça, puis peut-être jouer à des jeux avec moi si vous voulez, puis si moi je veux. Si j'ai le temps, puis tout ça. Et puis, en tout cas c'est vraiment cool. Tu sors de jeu puis tu peux même créer tes propres jeux. Tu peux ouvrir comme genre des jeux, tout ça, comme genre tu peux créer des jeux, tu peux les ouvrir, les mettre en ligne, sauf que quand t'as pas... Quand t'as jamais payé but de club, tu peux seulement ouvrir un monde. Mais si t'as déjà payé but de club pour un mois, qui coûte 10$, mais tu peux. Mais moi je l'ai payé, alors je peux à ce temps. Puis là je suis plus but de club il y a quand même longtemps, là. Ça fait quand même bien longtemps que ça a expiré. Ah puis aussi, il y a un secret dans le jeu là. Il y a comme un genre de labyrinthe que tu peux trouver dans, sur une autre île. Et... Puis ce labyrinthe là est hyper dur en tout cas. Tu vas là-dedans, puis c'est vraiment le labyrinthe le plus mélangeant que j'ai vu de ma vie. En tout cas, on va aller chercher les gold trees. On va se faire un petit peu d'argent. Ensuite, peut-être qu'on va faire notre maison, puis je vais faire au moins minimum 20 minutes pour cette vidéo. Et là, ça fait 4 minutes, alors on a encore le temps. 20 minutes à peu près. Ça va peut-être prendre moins de temps à le poids aussi.
surtout je vais mettre l'introduction. L'autre vidéo de Minecraft que j'ai sorti il y a pas longtemps, la vidéo de la série qui s'appelle Semaine Mort vs le danger, puis ça a pris une éternité, il a fallu que je regarde il a fallu que j'attende au moins une quarantaine de minutes ou une trentaine de minutes, alors disons que on va essayer de pas trop la faire trop longue non plus. Allons couper les arbres. Peut-être monter un petit peu le volume, je trouve que pour moi c'est pas assez fort. Voilà. Ah, ils ont vraiment enlevé le. Alors je suis cliqué sur Escape, alors t'es obligé de cliquer sur Resume Game. Moi j'aime bien mieux Escape, ça va bien plus vite. Donc on va en prendre un, voilà. Comme vous voyez, c'est quand même très loin de jouer. Et en plus, j'ai Alpha H, puis là, on dirait que là, ça veut pas. Je sais tout le temps, je l'ai coupé. Je vais prendre la Wiki X d'abord. Peut-être qu'elle bug moins, je sais pas. Quand même. Alors, il y a un problème avec la hache là. Je frappe au moins deux fois, puis après ça, elle arrête de frapper. Bon, voilà, le problème est réglé. Bon. Le Gold Tree. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué à ça. J'aimerais bien essayer de faire découvrir ce jeu à des gens, alors alors je mets ça sur ma chaîne. Une vidéo de ça. Oh my god. L'arbre n'arrête pas de tomber. Voyons, ça n'arrête pas de rebondir cette fois-ci. Oui. Ok, ça a arrêté. Enfin. Comment ça, une énorme. Ah, à toute fois que j'enlève mon personnage du zoom, ça arrête de. Ça lâche la bûche. Je sais pas pourquoi. Avant, ça faisait pas ça. Donc, je sais pas si j'ai eu des nouvelles updates à propos de faire avec le bateau puis le labyrinthe, tout ça, hardcore, le plus hardcore du monde, mais. Voilà. En ce que ce labyrinthe-là, c'est pas un labyrinthe normal quand même. C'est un labyrinthe où est-ce que tu t'en vas dans des endroits, puis ça ouvre des portes, puis là, c'est dire des tutoriels pour voir comment qu'on fait pour passer ce labyrinthe-là. Et puis. Là, le gars il s'en va comme genre qui jump à gauche, mais moi je m'en vais à gauche. Après ça, pour lui dans sa vidéo, ça ouvre une porte noire, c'est-à-dire que ça enlève une porte noire, c'est le genre de mur noir, disons. Après ça, moi je fais la même chose que lui, puis là, lui il a plus de porte noire, alors il peut passer, mais sauf que moi il est encore là, puis j'ai fait la même petite affaire que lui. Et rien. Un peu étrange. Vraiment, ce labyrinthe là, là, il est hardcore. Donc, on est arrivé au biome. My God, je sais pas si vous entendez la musique en arrière. J'espère que non. J'espère qu'on va m'entendre bien, même si il y a une petite musique. Si on m'entend mal, je pense qu'on va peut-être faire une partie 2, puis on va essayer d'écouter ça. Parce que durant les samedis, mes parents ils font le party. Avec mes rares parents. Comme vous voyez, il y en a un qui a crié, c'est mon grand-père qui vient de crier. Comme ça, en chantant. Cet arbre est long à couper, puis il y a un glitch avec la hache. Ça m'est jamais arrivé cette glitch. Ah, en plus, il y a un instant. Enfin, il s'est dit langage. Je trouve que la rue qui va plus vite, c'est pas chouette. Ouais, quand même. Ah, je trouve qu'il y a quand même le bug. On va reprendre l'alpha. Ça va être pareil un peu l'alpha X. Je pense que l'alpha X ça fait une efficacité de plus. Je trouve qu'elle va un petit peu moins vite que la rookie. Et puis la rookie a fait quand même plus vite, mais je trouve qu'elle a une petite affaire moins efficace. Alors je sais pas c'est quelle est la meilleure. Et en tout cas, ce lag là, ce bug de bizarroïde là, je le déteste. Quand la hache arrête de frapper, ça faisait pas ça avant. Ouais! Bon, les bûches sont moins grosses après, alors ça va prendre un petit peu moins de temps à couper.
My god. I wake up. Merci. Ah là là. J'ai hâte d'avoir fini cette arbre. Comme ça, je pourrais les mettre dans mon... dans mon truc, puis je pourrais les emporter chez moi. J'espère que le pont est encore ouvert. Le pont reste à peu près ouvert pendant au moins 3 minutes, puis il se referme, alors le pont doit être fermé. Ça fait quand même longtemps qu'on est ici, ça fait peut-être plus que 3 minutes, alors... voilà. Je trouve que, aussi pour l'introduction pour Roblox, je pense que je vais essayer de m'en trouver un à un moment donné. Peut-être dans une couple de jours, je sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas encore. Si je veux qu'on entende mieux, je devrais peut-être parler plus fort à cause de la musique en arrière. Bon, on est arrivé. Ouais, ça va être plus facile. C'est un petit bout de bois à couper. Et puis le dernier. Voilà, un coup. On va prendre la plus grosse c'est bien le meilleur. Celle-là qui est à moitié découpée, je vais peut-être l'emporter aussi. Et il y a aussi plein de glisses dans ce jeu-là quand même. Pas des glisses comme des missing no je sais pas quoi, mais des glisses comme le truc qui n'arrête pas de couiller à l'envers, puis là après ça le truc qui revole, puis là il y a des bus qui sortent du truc, qui passent au travers du truc, ça c'est un autre glisse physique. Et je déteste ces glitches. Aussi, ça c'est les pires glitches qu'il y a dans le jeu là pour moi. Je sais pas si y'a quelqu'un qui m'a fixé ça. Il dit je mets plus ça dans la description. Parce que moi jouer en petit écran, je suis pas vraiment habitué non plus là. Ah laisse faire. Ouais j'ai joué en petit écran puis puis c'est pas vraiment habitué. D'habitude je joue en plein écran, mais juste pour voir le temps de vidéo puis le volume du jeu. Puis le volume de mon micro pour voir s'il y a des problèmes ou pas, mais c'est obligé de regarder, puis aussi le temps de la vidéo, puis pour voir s'il y a des images perdues ou pas. Au cas où, s'il commence à avoir des lags dans la vidéo, au moins je pourrais voir ça, puis baisser les graphiques ou peu importe. Pour l'instant, ça va super bien dans Roblox, j'ai aucun problème, puis dans Minecraft, des fois, il y a des problèmes, mais rarement. Ah, j'ai oublié une bûche. Ça va peut-être aussi emporter le petit morceau. Putain. Donc on va retourner chez nous, finalement on n'aura pas le temps de construire la maison, mais ça va être dans le prochain épisode. Alors il nous reste au moins 8 minutes. Mais peut-être qu'on pourra avoir assez de temps de construire une partie de maison, ou sinon ça va être dans la prochaine vidéo au moins. Je pourrais peut-être faire un épisode numéro 2 du gameplay sur Lumberjack. Il n'y a pas juste Lumberjack dans Roblox, il y a peut-être des millions de jeux après. Donc là ça fait 13 minutes qu'on filme. Ah, le pont est fermé. 100$ comme d'habitude. Ok. Thanks. J'aurais, de toute façon, on s'en fout. Le pont s'ouvre. Voilà, on accède. Des fois, tellement que. Minecraft c'est pas mal le jeu que je joue le plus souvent, puis je suis tellement habitué pour courir dans Minecraft en pesant sur contrôle que quand j'arrive dans la Roblox et que je trouve que je vois pas assez vite, puis je contrôle, mais en fait ça fait rien. Donc les bus, pour qu'ils soient encore plus qui donnent encore plus d'argent, il faut juste que tu ailles dans la maison ici, dans votre barge en fait, parce que vous verrez pas vraiment de maison comme ça à moins que vous jouez avec moi. Et ça, c'est du bois encore plus dur à avoir. Ça, je vous montrerai ça juste après. Au pire, si on dépasse le 20 minutes que je ne vais pas encore montrer, au pire, je vais vous laisser un petit bonus. Juste pour montrer le volcan, puis après ça, j'arrêterai la vidéo. Et puis, peut-être un petit peu plus tard sur ma chaîne, je vais essayer de trouver une introduction de fin. C'est comme genre la vidéo terminée, là, les gens, ça va dire. Ça va ressembler un peu à l'introduction de tantôt, sauf que ça va peut-être dire comme genre like. Abonne-toi, puis si ça vous plaît, puis voilà, quelque chose de même. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de choses comme ça. Je sais comment qu'on pourrait faire ça. C'est pas mal la même affaire que mettre une intro au début, sauf que je la mets à la fin, c'est quand même simple. Oh my god, c'est bloqué. Ok, ça s'est débloqué, j'ai même pas touché. Ah, bizarre. Ah. C'est quoi tous ces problèmes de blocage? Ok, lui, il était à taille, il est comme monté tout seul après la rampe. Oh, j'apparais qu'il y a des bugs. Des bugs de la bêta.
petits morceaux de bois. En même temps, mes planches de lave, je vais peut-être les vendre aussi parce que ça donne bien de l'argent. Je trouve que ça donne pas autant d'argent que le pot qui truit comme que je vous ai expliqué, mais ça donne beaucoup d'argent. À peu près 1000$ à chaque planche, grosse comme ça ou bien plus que ça. Les gros touilles donnent à peu près 500 ou 1000 à peu près, comme un peu la même chose, je trouve qu'ils donnent un petit peu moins. Alors c'est meilleur des lava touilles. Ou faire touilles comme vous voulez. Ok, une branche, voilà. Ici où j'avais entendu le genre de bruit d'explosion qui fait pouf, comme ça, ça dit qu'il y en a un qui a quitté, puis ça a l'air que ça, ça passe à l'explosion. J'ai le moins que ça marche. Après ça, quand tu rejoins, mais ta branche est normale. Ce que je vais vous montrer, ça sera pas juste de Rainbow Six Siege, je rappelle, ça va être d'autres jeux. Et peut-être des fois des tutos. Comme par exemple, si on arrive dans un jeu, il faut, pour bien débuter comme dans Minor Even, je vous montrerai un bon petit tutoriel avec un autre icône, un alt. C'est-à-dire, un alt, dans le fond, c'est que tu crées un deuxième icône, puis là, t'as deux comptes, puis voilà. Comme exemple, si tu veux tester de quoi sur un jeu, ou recommencer un jeu, mais sans prendre le même compte, mais voilà. Par exemple, dans ce jeu-là, tu peux faire 4 parties, mais bah, moi, j'aime mieux pas, parce qu'au cas où, si ça commence la sauvegarde, c'est quand même un jeu en bêta, c'est pas comme les autres jeux. Ça développement c'est en bêta. Bon cette branche là peut pas se mettre alors c'est tout petit, la même chose pour l'autre. Elle est longue mais elle est tout petite. Oh, oh. Donc je vais porter les gold planks. Il reste 4 minutes. On va essayer de se dépasser. Si on va avoir le temps d'y aller. Sauf que moi j'y irai pas parce que je suis un peu peureux quand même. Alors que si j'irai pas de Alpha X, mon éventail j'irai pas. Parce que si tu meurs, tu perds toutes tes haches, c'est-à-dire que si je tombe dans la lave, ou puis ça, je meurs. Puis je perds toutes mes outils, mes haches, tout ça, même les haches les plus débutantes, même les plus rares, tout ça. Puis j'étais obligé de recommencer mes haches. J'allais rester, puis avec elle aussi, cette hache là, c'est une hache secrète. Montrer un tutoriel à un moment donné, comment l'avoir. Genre, on va arriver peut-être avec un autre account, on va faire un tutoriel là-dessus avec un deuxième account, comment bien débuter sur l'Humble Chicken 2, puis juste après ce tutoriel-là, on va en faire un autre pour dire comment avoir la Rookie X. C'est quand même extrêmement compliqué quand même. C'est pas, ça se fait pas un clin d'œil ou les deux doigts dans le nez, ça se fait vraiment difficile là quand même. Donc, les planches brunes plus beige brune, mais ça c'est plus les blanches. Ben les planches que je me sers pour construire ma maison. C'est pas vraiment la meilleure maison des maisons, mais c'est une bonne maison. Une belle maison. J'ai... Donc on va tout ranger dans le coffre, mais en arrière du char. En plus j'ai acheté plusieurs trailers aussi. Et j'ai acheté le plus gros, qui coûte quand même bien cher. Ce char là il coûte 19 000$, alors disons que ça coûte bien cher. Mais il y a des grosses planches de lave vont en donner de l'argent. Surtout le gros cube que je viens de mettre. J'espère pas qu'il va y avoir un bug que les planches vont pas trop travailler du char. Non, pour l'instant ça va bien. J'espère que ça va aller bien jusqu'à là-bas. C'est pas si loin que ça, je vais vous montrer où est-ce qu'on vend nos planches, puis nos bûches, ou peu importe. C'est ici! De vous, Dropoff. Waouh! Il fallait être couché à cause d'une petite branche d'herbe de rien par en tout. En gros, j'ai une mini branche d'herbe de rien par en tout. Mon char a failli être couché puis glisser pour que des planches tombent tout à l'envers ou peu importe. Alors disons qu'il y en a des enjeux. Je pense que ça fasse un petit comme ça. Vous pouvez pas vraiment voir là, mais voilà, comme exemple, une petite affaire comme ça, mais ça fait n'importe quoi. Puis boum, toutes les planches disparaissent. Pas au travail, là, c'est de la merde. Comme vous voyez, c'est déjà rendu à 19 000, là, 20 000. À peu près, encore des 20 000. On va monter. 21 000! Wow, j'en ai plus que tantôt. Oh my god, ça va donner combien? Oh my god, on a donné. Au moins 1000. Finalement, je pense que pour comment débuter puis gagner de l'argent quand vous commencez une partie dans l'Humble Chicken, si vous savez pas comment,
Je vais juste vous montrer l'exemple maintenant. Peut-être juste après avoir montré les armes de lave. Ah, ça bug. Voilà. Donc j'arrêtais pas de regarder dans mon écran à moi. Alors je vais peut-être regarder un petit peu dans l'écran où est-ce que je filme. Juste au cas où s'il y aurait une image perdue, mais pour l'instant il y a encore aucune image qui a été perdue, c'est cool. Il n'en faut aucune vidéo. Ok, à ce stade je vais vous montrer l'arbre de lave, où est-ce que ça se place. Sinon je pourrais quasiment vous montrer que mon autre compte qui s'appelle FuryFosh83. C'est mon alt. Et aussi pour aller sur mon compte, je sais pas si je voulais. Okay, je sais pas si je vous l'avais dit si vous voulez voir mon account pis tout ça pis me suivre sur Roblox ou peu importe, mais en tout cas lui dit comment on fait pour avoir de la monnaie, mais il va avoir le tutoriel sur YouTube. Sauf que lui c'est en anglais pis comment il va faire pour comprendre le français. Ouais, surtout que c'est du québécois. Bon, en tout cas l'autre il va s'en occuper. Oh, ben, bon, on s'en va de lui. Donc je sais pas si vous avez dit si vous voulez me jouer tout ça, mais je vais le mettre dans la description, ok, si vous voulez. Comme ça, si vous jouez à Roblox puis tout ça, puis si vous jouez pas à Roblox, que vous avez envie de jouer, mais vous savez pas comment créer votre raccoon, ben, je vais vous montrer ça. Donc voici le volcan. Quand tu rentres à l'intérieur, tu perds de la vie. Oh my god, puis il y a des bulles qui tombent tout ça, puis c'est vraiment dur. Puis en haut de ça, il y a des arbres, sauf que c'est trop haut. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on rentre dans le volcan. En même temps, il y a une genre de musique diabolique aussi. Regardez, je perds de la vie. Ça fait... avec une musique d'extrême. J'attends pas non plus de mourir, même si j'ai rien perdu cette vie, sauf que c'est quand même marquant le parcours. En même temps, il y a un passage secret dans ce volcan, je sais pas quoi il cherche le passage secret, mais j'ai déjà été avec mon autre Taku pour être sûr de pas perdre mes haches. Puis j'ai été dans ce volcan, puis après ça, j'ai été voir, puis tout ce qu'il y avait, c'est un genre de trou buggy, puis il y avait de la lave, puis il y avait aucune issue, puis il y avait des genres de roches, mais je trouve que c'est impossible d'y aller. Donc ça fait 23 minutes. Ah, ça fait quand même longtemps. On a dépassé le temps. Vite. Retournons à la maison. Bon, en tout cas, pour vous montrer comment bien débuter, comme genre pour gagner de l'argent, comme que lui il pose bien des questions. Justement, il vient d'acheter la hache, en tout cas. En même temps, pour ça, je vais en profiter aussi pour m'acheter une coupelle de bleu. Le blueprint. Donc, comme vous voyez, vous achetez la hache juste ici. Ça coûte au moins 12$ puis de 20$. Donc, moi, je vais m'acheter un blueprint. Peu importe. Qu'est-ce que je vais m'acheter? Je vais m'acheter. Ça, je sais pas si je l'ai, mais je vais m'acheter. Ça coûte seulement 80$. Je viens de poser un arbre et je pense que je gagne déjà une centaine. Attendez. On va juste attendre que lui il ait fini. Sinon, je pense qu'on va oublier ça. Ok, il me fait perdre mon temps. Bon, ok, moi je vais. Oh. Get out of my. Ok. On va attendre. Bon, peu importe. C'est trop long là. My god, ça doit être tiens comme genre parler comme ça pis qu'il y a des enfants de même. Si t'as pas 13 ans et plus sur Roblox, ça va faire des enfants de même. Je sais pas pourquoi, comme exemple, si t'écris Samuel Mort sur Roblox ou Diamond Dominus Sam sur Roblox, mais ça va faire un affaire bouillie comme ça si t'as pas 13 ans et plus. Alors je sais pas pourquoi. C'est un peu nul.
Et des mots en français aussi, ça dit si vous voulez me parler, mais que ton compte n'a pas 13 ans et plus, ça marche pas vraiment en français, ça dit je suis obligé de me parler en anglais, puis l'anglais, c'est quand même dur pour moi. Donc, je vais m'assurer d'avoir parqué mon char aussi, parce que je le mets à l'extérieur du terrain, mais je suis obligé de repayer pour faire responder mon truc, disons, ça coûte 260$. Puis après avoir acheté le plus plein, t'as-tu la vie. Donc, la prochaine vidéo, ça va être la construction de la maison. Et peut-être une autre vidéo bonus aussi, comment avoir de l'argent au début dans le bas du compte pour commencer comme j'autre. Ou comme moi au début. Avec un autre Akuna. Hein. Bon, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. Si c'est le cas, mettez un like. Et puis, si ma chaîne vous intéresse, abonnez-vous. Vous n'êtes pas obligé, mais ça m'aiderait, puis j'aimerais ça. Bon, mais bye bye!